Bonjour à tous, Sébastien Guillochaud, donc Chambre d'agriculture de Bretagne. Je m'occupe de bâtiments et d'équipements. Je vais vous parler de conformation mammaire et d'ergonomie à la traite et à la traite à pose manuelle. Bonjour à tous, Juliette Fazillo. Je suis actuellement étudiante en dernière année ingénieure à l'ESA à Angers et j'ai réalisé un stage aux côtés de Sébastien. Donc je vais présenter avec lui les résultats de l'étude que nous avons menée. Alors, dans le cadre de ces travaux de recherche, nous avons travaillé sur les conditions de travail à la traite, en considérant ces conditions de travail dans leur globalité, c'est-à-dire aussi bien pour l'homme que pour l'animal, la vache laitière. Pourquoi ? Parce que l'activité de traite, déjà, c'est une activité essentielle. C'est la collecte du produit qui va être vendu, mais c'est aussi le lieu de rencontre entre le trayeur, l'homme, la machine et l'animal. L'objectif étant d'aller vers des conditions les plus favorables possibles pour aller vers un cercle vertueux. Alors, en traite manuelle, pourquoi ? Parce que la traite manuelle, c'est-à-dire différente de la traite robotisée, c'est une traite qui est très présente sur le terrain et que tout le monde ne souhaite pas forcément, pour des questions diverses et variées, avoir recours à de la traite robotisée. Donc comme je vous disais, la traite c'est un triptyque entre l'animal, la machine et l'homme. L'objectif étant d'aller vers des traites les plus durables possibles, c'est-à-dire des traites qui vont être rapides, complètes, asymptomatiques, donc ça c'est pour le bien-être de la vache laitière, agréables, non stressantes pour l'animal, mais également agréables pour le trayeur et qui vont être sans impact négatif pour sa santé. Et donc on s'est intéressé dans ce cadre-là aux hauteurs de branchement sur différents élevages avec des installations de traite différentes et avec des races de vaches différentes. Ce travail, c'est l'objet d'un CASAR ergo-traite sur l'ergonomie donc de l'activité de traite et un travail multipartenarial. Je laisse la parole à Juliette qui va vous présenter les résultats. Donc si on s'intéresse au confort de l'éleveur en salle de traite, on peut s'intéresser à sa zone de travail, donc sa zone d'intervention sur la mamelle particulièrement. Donc on a pour ce faire mesuré donc environ 1650 vaches, puisque la hauteur de travail, on sait qu'elle est dépendante de la hauteur du quai et également de la hauteur des mamelles des vaches qui sont sur ce quai. D'un point de vue de l'éleveur, on sait qu'il existe différentes zones de travail plus ou moins confortables. Donc une zone de confort située entre le niveau du coude et de l'épaule. Une zone de confort un peu plus moyenne située entre l'épaule et les 10 cm supérieurs. Et enfin, une zone d'intervention extrême pour toutes les mamelles qui se situent au-delà, donc au-delà du niveau du visage. C'est ce que vous pouvez voir sur la petite silhouette qui est sur l'écran. Avec ces zones d'intervention et le niveau de confort de ces différentes zones d'intervention. Donc après avoir mesuré différentes vaches, on est arrivé à un constat. Les hauteurs de travail en salle de traite sont très importantes pour les éleveurs. Très concrètement, ils sont obligés de soutenir les griffes et de les lever à des niveaux très inconfortables, notamment vu que ce sont des activités très répétitives. Donc pour un trieur de taille moyenne d'1m75, si on respecte les recommandations de hauteur de quai, on peut observer donc la première situation à gauche, avec en orange les différentes zones dans lesquelles les mamelles se trouvent sur la globalité d'un troupeau. Donc on se rend compte qu'environ 50% des vaches possèdent des mamelles dans des zones les plus inconfortables pour le travail du trayeur. Et lorsqu'on se place dans le cas d'un branchement par l'arrière, les recommandations de hauteur de quai considèrent qu'il faut majorer les quais de 10 cm. Donc la situation est encore plus délicate pour le confort de travail des éleveurs, puisque par conséquent les mamelles sont encore plus hautes. Et ce n'est plus 50%, mais environ 75% des mamelles qui se situent dans les zones de travail les plus inconfortables. Alors, ce travail permet de voir une chose, c'est qu'il faut prendre en compte le gabarit des vaches pour la conception des salles de traite, qu'il faut revoir aussi certaines recommandations pour éventuellement baisser les hauteurs de quai.
Pourquoi ? Pour aller vers des installations qui sont les plus adaptées aux vaches que l'on a dans l'élevage, mais également qui permettent d'améliorer au mieux les conditions de travail, d'éviter d'avoir des hauteurs de branchement qui sont au-dessus des épaules, comme Juliette a pu vous le montrer. Et c'est un travail qui va se faire avec les équipementiers pour réfléchir, et c'est déjà engagé, on voit déjà des choses sur le salon, sur des équipements qui permettent de considérer les conditions de travail du trailer et le confort de l'animal pour aller vers une traite rapide, bénéfique pour l'homme et l'animal. Voilà, merci.